Voilà. Bonsoir tout le monde. Nous sommes en direct avec Bruno de la société Monsieur Hugo. Nous sommes en direct à la fois dans Jurissimo Invest, mais également dans le groupe Gestion Locative, trucs et astuces pour gérer son bien immobilier, et aussi sur ma chaîne YouTube, l'avocat investisseur. Donc, on multidiffuse, ce qui explique aussi pourquoi parfois il y a un petit temps de retard par rapport à l'horaire prévu. Voilà, mais ce soir, c'est un live avec Bruno, dont la société est positionnée sur la gestion locative. Et pourquoi un live ce soir? Parce que nous allons vous parler d'Ebo. Alors, d'Ebo spécifique sur la location classique, mais également en ce qui me concerne du bail de sous-location. Des baux de colocation. Je dévierai sans doute un tout petit peu aussi sur les pièges connaît hein, au beau, comme l'encadrement des loyers. Mais je pense que Bruno aura aussi son petit mot à dire là-dessus. Voilà, mais tout de suite, ben, Bruno, merci déjà de faire ce live avec moi ce soir. Et puis, je te laisse te présenter. Je crois que ça sera le plus simple. Ok, bah écoute, merci Dimitri pour ce live qui est inédit parce qu'on diffuse sur nos deux groupes Facebook. Et puis généralement, lorsque je t'invite sur mon groupe, tu es tout seul à parler. Donc là, voilà, ça va être un peu plus dynamique. On va chacun amener notre pierre à Exactement. l'édifice pour aider les propriétaires à ne pas faire d'erreurs, notamment sur le bail de location. Donc en ce qui me concerne, moi, je suis le fondateur de Monsieur Hugo, qui est une plateforme de gestion locative qui permet aux propriétaires de gérer leurs biens de façon autonome, donc sans forcément le gérer avec Excel ou sans forcément passer par une agence immobilière. Et derrière, on met à disposition des juristes et des artisans pour les dépanner et gérer tous les soucis du quotidien. Tout à fait. Et on a déjà eu l'occasion de faire des lives ensemble, d'aborder divers sujets. C'est vrai que là, on va se renvoyer un petit peu la balle, ce qui sera plus sympathique et un peu plus dynamique. C'est pas forcément toujours drôle que je fasse un exposé un peu didactique. En plus, Bruno a une société en plein développement, puisque tu as lancé. En fait, on a suivi un parcours un petit peu parallèle, puisque mutuellement, on se disait, alors, t'en es où de ton programme? Ah, alors, t'en es où de ton podcast? T'en es où de ta société? Puis, on a avancé à peu près, finalement, au même rythme, même si c'est moi qui dois battre les records de tortue. Donc voilà, donc c'était intéressant et on s'est dit qu'on avait tous les deux une expertise sur les baux. Alors, il y a plein de choses à dire sur les baux. On va commencer, je pense, par les baux classiques, location longue durée, que ça soit nu ou meublé. Je vais laisser la parole à Bruno pour que il nous fasse part des problématiques qu'il rencontre, des pièges dans lesquels tombent le plus fréquemment, sans doute, ses clients, puisque nous sommes en matière d'investissement immobilier et le bail, c'est l'une des pierres angulaires de l'investissement immobilier. C'est bien beau d'acheter de l'immobilier, mais si vous louez n'importe comment, avec n'importe quel type de bail, avec des baux non conformes. Alors, je reviendrai aussi sur ce que c'est qu'un bail conforme, un bail non conforme, parce que là-dessus, il y a des discussions sans fin. Il faut savoir que le sujet est quand même très complexe et que le législateur ne nous aide pas vraiment. Mais on essaye d'avoir un bail qui soit, on va dire, le conforme possible. On ne peut pas, à mon avis, tout automatiser dans le bail, même si l'idée était intéressante et avait essayé d'être mise en pratique par un de mes amis. Mais c'est extrêmement compliqué parce qu'en réalité, ça change trop souvent. Et du coup, l'arbre de décision devient extrêmement complexe si on veut y cerner tous les cas. Mais tout de suite, je te redonne la parole, Bruno. Alors, parle-nous un petit peu des pièges que rencontrent le plus fréquemment tes clients, s'il te plaît. Oui, alors le bail, comme tu le disais, c'est le document contractuel qui vous lie en fait avec votre locataire. Donc c'est la partie hein, contractuelle qui est généralement un peu mise de côté parce qu'on ne voit pas trop l'intérêt, on ne voit pas trop à quoi ça sert. Le bail, c'est le premier document que vous allez ressortir si vous avez un litige avec votre locataire. Tout ce qui n'est pas écrit dans le bail est forcément source de litige. Donc l'important, c'est d'avoir un bail qui soit complet et le plus riche possible et qui protège en fait les intérêts du bailleur. Mais effectivement, à côté, certains tombent un peu dans des clauses ou dans le non-respect en fait, de la réglementation, et on se retrouve avec un bail non conforme. Alors, un bail non conforme, on va le voir, là, j'ai quelques exemples à vous citer.
Peut-être un point, un chiffre que je voulais vous donner. 42% aujourd'hui des propriétaires reconnaissent avoir eu des litiges à cause d'imprécisions dans leur bail. Donc c'est quand même énorme. Pourquoi? Parce que la réglementation évolue constamment. Et si on loue avec le mauvais loyer, si on n'a pas été suffisamment précis sur la surface, tout un tas de petites choses comme ça, bah finalement, le locataire aujourd'hui peut très bien porter plainte, saisir le tribunal, et bah derrière, c'est effectivement vous, en tant que bailleur, bah, qui allez porter toutes ces sanctions. Donc, les sanctions aujourd'hui, bah, c'est des sanctions administratives, ça peut être des amendes à payer. D'ailleurs, c'est la première chose que vous voyez quand vous allez sur le site du gouvernement, du ministère, et vous dites attention, si vous ne respectez pas ça, 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 bah, l'amende, c'est de 5 000 euros. Et si vous êtes une SCI, c'est à 15 000 euros. Voilà, donc les amendes, elles sont affichées clairement aujourd'hui sur le site, c'est public, on ne peut pas dire qu'on ne savait pas. Voilà, donc finalement, payer des pénalités de 5 000 euros, ça peut bah, mettre votre trésorier un peu en difficulté, et surtout d'avoir des Oui, locataires. plutôt 5 000 euros. Oui, déjà, c'est une belle somme quand même. Pour mettre la trésorerie en difficulté, je te le fais pas dire. Voilà, donc il faut voilà, être vigilant parce que les locataires sont de plus en plus informés. Par exemple, la ville de Paris met à disposition une plateforme pour que les locataires vérifient que les loyers ou pas sont conformes. Et c'est très simple pour le locataire, il lui suffit juste d'aller sur le site, de vérifier, de taper la rue, de vérifier le loyer. Et derrière, bah, les locataires sont aidés par des associations qui défendent les locataires. Et donc, on peut pas sous-estimer le pouvoir des locataires. En plus, les médias aujourd'hui parlent beaucoup d'encadrement des loyers, parlent mettre en avant effectivement les lois. Donc les locataires, mais surtout les propriétaires, vous devez être au courant de la réglementation. Tout à fait. D'ailleurs, il y a eu un reportage il y a assez peu de temps sur M6 qui a parlé de l'encadrement des loyers et qui a mis en avant le fait que les locataires pouvaient très facilement dénoncer leurs propriétaires, littéralement, pour les loyers excessifs. Alors après, évidemment, en tant qu'avocat, je ne peux que vous recommander de respecter la loi. Voilà, elle est mauvaise, je pense, fondamentalement, cette loi sur l'encadrement des loyers. Mais elle existe et sachez que la mairie de Paris a obtenu, et la première ville en France à avoir obtenu la délégation de la préfecture pour sanctionner le non-respect de l'encadrement des loyers. Donc ça peut faire mal, notamment pour les Parisiens qui ne respectent pas, parce que ailleurs, quand les préfectures ont un peu autre chose, d'autre chat à fouetter, là à Paris, eux, ils ont que ça à faire, hein. Ils traquent les vilains propriétaires après avoir annoncé une jolie petite augmentation de 52% de la taxe foncière à Paris. Mais ceci est une autre histoire. Voilà, donc tu as raison, Bruno. Il y a une plateforme à Paris qui existe pour permettre aux pauvres locataires d'aller vérifier son loyer et de bien sûr réclamer l'argent qu'on lui aurait extorqué. Donc c'est bon, ça, Paris, c'est un exemple, mais on va le voir là. Donc si on prend le premier point que regardent les locataires, c'est le loyer. Donc la première erreur, c'est de se dire, bah, je vais fixer librement mon loyer. Donc j'en ai parlé, les risques, donc c'est des amendes. Ça peut être l'obligation de baisser votre loyer. Donc ça, c'est si le locataire saisit le tribunal d'instance, à ce moment-là, on peut vous obliger à baisser votre loyer. Donc c'est rétroactif. Et effectivement, vous devrez rembourser le frau perçu du loyer. Donc, il y a deux choses à savoir, c'est que votre bien peut être situé en zone tendue ou alors il peut être situé dans des villes qui ont plafonné le loyer. Dans les zones tendues, je crois qu'on doit être à 1200 ou 1300 villes aujourd'hui qui sont en zone tendue. Donc, c'est là où, globalement, c'est là où il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc l'idée de l'État, notamment d'avoir créé des zones tendues, c'est pour éviter la surenchère des loyers. Comme il y a effectivement beaucoup de locataires qui veulent se loger, il y a très peu de biens en location, bah, c'est pour éviter que les propriétaires mettent des prix trop importants, puisque de toute façon, il y a beaucoup plus de demandes. Donc ça, les zones tendues, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut vérifier dans un premier temps. Donc pour ça, je vous invite à aller sur le site des services publics, là. Où ils ont mis un petit outil, un petit simulateur, vous saisissez votre code postal et le simulateur vous dit instantanément si votre bien est situé en zone tendue ou pas. S'il Ça, n'est pas c'est situé pratique, par contre. en zone... Donc ça, il faut y aller parce que ça marche sur toute la France. Et il y a 36 000 communes en France et sur ces 36 000, il y en a
Voilà, à peu près 1500 qui sont encadrés. Et généralement, c'est dans les zones où vous faites de la location parce que c'est les zones les plus intéressantes pour louer. Donc, si le loyer, enfin, si le, comment dire, le bien est situé en zone non tendue, à ce moment-là, il n'y a pas de souci, vous pouvez pratiquer le loyer qui vous plaît tout en restant dans la cohérence du marché. Hein. Donc là, c'est après une étude que vous pouvez faire sur le Bon Coin ou sur Sologer pour regarder le prix des loyers sur le marché. Par contre, si votre bien est en zone tendue, à ce moment-là, il faut vraiment respecter cet encadrement. Et deuxième point, c'est pour les villes qui sont plafonnées. Alors là, c'est encore autre chose. Donc aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Donc le principe, c'est que c'est la ville qui demande l'autorisation au préfet pour être en zone plafonnée. Et en zone plafonnée, on ne peut pas dépasser le loyer qui est fixé par l'État et par le préfet. Donc, les organismes de référence, oui, en la matière. Voilà, donc vous allez, donc on citait Paris. Il y a maintenant de plus en plus de villes en région parisienne qui sont passées en zone plafonnée. Il y a Montpellier depuis le 1er juillet 2022, il y a Bordeaux depuis 2022, donc les villes elles commencent de plus en plus à vouloir être en zone plafonnée. Donc, tout simplement parce que elles veulent pas que les locataires se retrouvent à la rue. Ils auraient plus forcément les moyens de se loger. Et donc il y a des grilles effectivement. Donc là, il suffit d'aller sur le site de la ville en question. Toutes les villes qui plafonnent les loyers sont obligées de mettre en place une plateforme où on peut aller regarder le prix du loyer. Donc il y a deux choses. Il y a le prix minoré et le prix majoré. Donc il faut se positionner sur le prix majoré et on peut pas dépasser. Donc c'est un prix au mètre carré. Donc après c'est une règle de 3. On prend la surface de son bien, on multiplie par le prix au mètre carré, ça vous donne le loyer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dépasser. Après, il y a des... Tout à fait. Et donc, ce qui est assez étonnant, tu parlais du loyer majoré. En fait, donc vous aurez le loyer classique et vous aurez la possibilité de majorer systématiquement le loyer classique tel que prévu et fixé et calculé par l'organisme en question, de 20%. C'est ce qu'on appelle le loyer majoré. Voilà. Donc là, c'est la majoration de 20%. Autant vous dire que, puisque vous pouvez le faire, en gros, tout le monde le fait. Voilà. C'est un peu étonnant comme système. Ça a été encore imaginé par quelqu'un de très intelligent, sans doute plus que moi, puisque je n'arrive pas à comprendre pourquoi on fait ça. Mais donc, vous pouvez majorer de 20%. Donc, systématiquement, évidemment, tout le monde majore le loyer de référence de 20%, tout à fait. Je précisais ça, Bruno, pour que ça soit, que les personnes qui nous écoutent aient les chiffres concrets. Je te laisse suivre. Et après, tu as une option qui permet à certains propriétaires de pouvoir demander plus que le loyer majoré en demandant un complément de loyer. Et donc ça, le complément de loyer, on va dire, c'est une combine juridique en fait, mais qui est légale. Après, il ne faut pas en abuser parce qu'il n'y a pas de définition propre, vraiment très précise du complément de loyer. Ouais, donc c'est, alors quelques exemples. Si par exemple vous avez un appartement avec un super balcon qui donne où il n'y a pas de vis-à-vis, ça peut justifier un complément de loyer. Si vous avez un duplex ou en tout cas, il faut un élément spécifique du bien qui vous permette de sortir du lot et d'être différent de vos petits copains propriétaires à côté qui louent une surface équivalente. Donc il suffit pas de dire j'ai changé la moquette ou j'ai refait la peinture pour pouvoir demander un complément de loyer. Après, vu qu'il n'y a pas vraiment de règles ni de jurisprudence là-dessus, c'est laissé à la bonne appréciation du juge si jamais le locataire commençait à contester ce complément de loyer. Mais donc, il peut être demandé, ça doit être écrit noir sur blanc dans le bail. Donc, dans le bail, vous devez mettre impérativement le loyer majoré. Si vous ne le mettez pas dans le bail, le bail il est erroné, donc il n'est pas bon. Et en plus, il faut préciser complètement le complément de loyer et expliquer pourquoi vous mettez en place un complément de loyer. Donc ça ne doit pas être juste dit à l'oral au locataire, mais ça doit vraiment être inscrit dans le bail.
Il faut le justifier, effectivement. J'ai déjà eu ce cas précis dans lequel, en fait, le bail était improprement rédigé. Et à mon avis, en cas de litige, ça n'aurait pas tenu la route, car ce n'était pas mis au bon endroit, ce n'était pas très compréhensible. On doit distinguer vraiment les rubriques, le loyer majoré et l'éventuel complément de loyer en plus qui doit être justifié, comme tu le disais. Donc tout ça doit être extrêmement structuré dans votre bail. Donc ça, c'est des nouveautés qui existent depuis peu. Donc si vous ne les mettez pas, bah, on arrive sur un bail non conforme. Et un bail non conforme, bah, derrière, ça débouche sur des sanctions, sur des pénalités ou sur des sanctions. Et tout à l'heure, d'ailleurs, tu disais quelles sont les sanctions, Bruno. Tu nous parlais d'amende, tu nous parlais de baisse de loyer, mais il y a aussi en pratique dans les sanctions, en cas de litige défavorable au propriétaire, l'obligation de rembourser le trop perçu de loyer. Oui, donc ça peut effectivement faire une petite ardoise à la fin. Et dans tous les cas, le locataire, il aura, on lui donnera raison. De toute façon, par définition, la loi protège et privilégie toujours les intérêts du locataire. Donc quand c'est justifié, limite, ça serait, c'est plus au propriétaire de prouver que ce qu'il a fait est bon. Voilà, donc pour éviter les ardoises un peu salées, il faut effectivement, lors de la remise en location, par exemple, prendre le temps de vérifier s'il y a eu des mises à jour ou pas. Donc, les informations sont disponibles, elles sont publiques. Le plus simple, c'est le site du gouvernement. Vous avez les informations directement en ligne. Oui, d'ailleurs, il y a une mise à jour qui a été faite il y a quelques jours des principaux décrets sur l'encadrement des loyers dans les communes les plus importantes. Voilà, donc tout ça, Voilà, je le signale en passant. c'est du temps, hein. Enfin, voilà, en conscience qu'en tant que propriétaire, on n'a pas forcément le temps de se palucher tous les textes de loi et d'être au courant de toutes les nouveautés. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses qu'il faut respecter. Soit vous faites conseiller ou vous trouvez un moyen de faire un bail conforme. Mais en tout cas, si vous le faites par vous-même le bail, bah, sachez qu'il y a quand même des points à vérifier. Donc ça, c'était le premier point que je voulais, dont je voulais aborder sur le bail de location, la partie loyer. Dimitri, tu veux que j'enchaîne sur le deuxième point ou tu voulais compléter sur un autre type de bail? Bien. Non, non, moi ça me paraissait déjà pas mal sur le. Je ne sais pas sur quel point tu veux enchaîner, à vrai dire là. Donc, je serais tenté de dire aussi que attention dans les baux, d'un point de vue purement juridique, on a aussi des questions de rédaction et de clauses abusives, par exemple. Ça, c'est un autre piège dans les baux. On ne peut pas rédiger les baux comme on veut. Mais ça, tu vas peut-être en parler aussi, je ne sais pas. J'ai quelques anecdotes effectivement là-dessus. OK. Alors peut-être que Alors, juste pour compléter l'encadrement des loyers, tu vois, il y a de nouveaux arrêtés préfectoraux, et j'ai l'info sous les yeux, hein. Donc, par exemple, pour Paris, le préfet a signé l'arrêté préfectoral fixant les nouveaux loyers de référence à prendre en compte à partir du 1er juillet 2023. Donc, c'est dans 10 jours. Okay? Donc, dans 10 jours, hop, il y a des nouveaux loyers à prendre en compte. Pour les zones Est Ensemble et pleines communes, des nouveaux arrêtés également à prendre en compte avec changement des loyers de référence depuis le 1er juin 2023. Donc, Donc ça, ça, c'est vous pour la voyez. signature de nouveaux baux. C'est pour la signature de nouveaux contrats. Ah oui, tout à fait, bien sûr. En ce qui Donc ça, concerne c'est pas les contrats en rétroactif. cours, la loi n'a pas d'effet rétroactif, tout à fait. Donc, mais pour Montpellier aussi, d'accord. Voilà, des nouveaux tarifs à prendre en compte au 1er juillet 2023. Donc, je rejoins ton propos. Il faut se tenir à jour en quasi-permanence de tous ces changements de législation. Et je te laisse poursuivre. Donc le deuxième point que je voulais aborder, c'était la surface du bien. C'est quelque chose qui figure dans le bail, qui est obligatoire. Donc on a soit on a un métrage précis, on a fait passer un diagnostiqueur et où on a l'acte du notaire où figure l'information, soit elle est à jour, soit elle n'est pas à jour. En tout état de cause, cette information que vous mettez, donc la surface du bien que vous mettez sur le bail. Si elle est erronée, bah, le locataire peut saisir les tribunaux pour demander une baisse du loyer. Donc là, c'est pareil.
vous devrez aussi rembourser le trop perçu du loyer. Donc attention par rapport à la surface que vous mettez, ça ne doit pas être un argument de vente pour vendre, enfin pour louer plus vite, ou un argument plus marketing pour dire voilà, ben, je vais louer au lieu de mon studio de 20 mètres carrés, je vais dire qu'il en fait 25. Voilà. Donc là-dessus, il faut quand même aussi être prudent et mettre la vraie surface. Donc la règle, c'est si la surface habitable est inférieure de plus de 5% à celle indiquée dans le bail, le locataire peut exiger une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. Donc c'est pas beaucoup, 5%. Si je prends un exemple, si par exemple un locataire mesure une surface de 29 mètres carrés, alors que le bail mentionnait une surface de 33 mètres carrés, le locataire peut obtenir en justice une baisse de 12% du loyer. Donc, c'est l'écart entre 29 et 33. Donc une baisse de 12% du loyer. Si vous étiez sur un loyer de 1 000 euros, vous tombez à un loyer de 880 euros. Donc, l'écart est important. La baisse de loyer, 12%, c'est quand même pas rien. Donc ça, cet élément qui figure sur le bail, soit vous connaissez exactement la surface et vous essayez d'être au plus près, enfin, en tout cas il y a une tolérance de 5%, donc si on est dans cette tolérance ça passe, ou sinon vous faites appel à un diagnostiqueur si vous n'êtes pas sûr, ou si vous venez de racheter le bien, ou même si vous avez fait des travaux qui peuvent modifier la surface, vous la faites réestimer. Toujours sur la surface, Bruno, notamment dans les colocations, attention aussi aux superficies des chambres. Ça donne toujours lieu à des discussions sans fin, mais globalement, ne faites pas des chambres trop petites, parce qu'en dessous d'un certain nombre de mètres carrés, les règles sont un peu complexes suivant que c'est des baux individuels ou des baux collectifs, etc. Pas forcément les mêmes règles, mais pour moi, je ne ferai pas de chambre en dessous de 9 mètres carrés. Quelle que soit l'hypothèse, voilà, clairement. Parce que je considère qu'en dessous de 9 mètres carrés, il y a des risques de contestation et qu'on vous dit que ce n'est pas une chambre, ça ne respecte pas la surface. Après, on peut toujours argumenter, mais vaut mieux éviter d'avoir à argumenter. Et donc, ne louez pas en chambre des choses qui font moins de 9 mètres carrés pour éviter toutes les difficultés. Ça, c'est une recommandation aussi bien psychologique que juridique. Donc, il y a des petites subdivisions dans les problématiques aussi de superficie. Il n'y a pas que la superficie globale. Ouais. Et donc là, on est d'accord qu'on parle bien de surface habitable pour la location, donc la surface qu'on appelle la surface boutin. Donc, il ne faut pas forcément se reprendre la surface carrée qui figure sur l'acte de vente lorsque vous avez acheté le logement. Donc c'est bien la surface habitable pour la location. C'est ça qui rentre en jeu dans la surface qui doit figurer sur le bail. Tout à fait. Ouais. On voit bien que c'est quand même subtil et qu'on ne nous facilite pas la tâche. On arrive même à avoir quand même deux types de surfaces, carrées et boutins. Il faut le faire. Ouais. Donc, c'est des subtilités, mais qui sont à connaître pour éviter de se faire avoir. Après, je disais, voilà, vous pouvez avoir recours à un diagnostiqueur si vous voulez être sûr de votre surface. Les diagnostiqueurs, il y a eu beaucoup de polémiques sur les diagnostiqueurs. Après, moi, si j'ai juste un conseil à vous donner pour choisir le diagnostiqueur, c'est aller pareil sur le site du ministère de l'écologie. Ils ont référencé des professionnels des diagnostiqueurs. Donc, on peut supposer, donc, il suffit juste de taper votre code postal et là, le site du ministère vous communique des diagnostiqueurs que l'État a référencé. Donc, on peut supposer qu'ils sont fiables et que vous pouvez avoir confiance en eux. Après, il n'y a pas de. C'est pas du contractuel, mais voilà, ça permet peut-être de tomber sur un diagnostiqueur qui fera bien le job et qui mesurera la bonne surface habitable que vous pourrez remettre dans le contrat de location. Tout à fait. Alors, on va peut-être passer un petit peu à d'autres choses sur les erreurs. J'ai donné un petit peu en filigrane les problématiques de ce qu'on met dans le bail. Là, on a vraiment superficie. Donc ça, c'est directement lié à la législation pour tous les baux d'habitation. Tout à l'heure, c'était le montant du loyer en fonction des zones tendues, l'encadrement à la relocation ou l'encadrement global, encore appelé parfois le plafonnement.
Donc ça c'est des législations plus globales. Maintenant, si on regarde à l'intérieur des baux, comme je le disais, on ne peut pas mettre ce qu'on veut à l'intérieur du bail. Il y a tout un tas de clauses qui sont réputées non écrites dans la loi de 1989. Et quand même, il faut être clair, moi j'estime que c'est sur les baux de colocation qu'on va avoir le plus de difficultés, car le site du gouvernement vous propose des modèles, mais des modèles de baux de colocation qui valent aussi pour des locations classiques. Donc, autant vous dire que ce sont des baux de colocation qui n'en sont pas, puisqu'on peut les utiliser indifféremment, soit pour vraiment faire de la colocation, soit pour louer de façon classique sans colocation. Alors même que la colocation pose des problèmes spécifiques. Exemple, ce qui était étonnant dans les baux collectifs, encore appelés les baux communs de colocation, c'est qu'on ne peut pas poser de présomption de responsabilité en cas de dégâts dans les parties communes. Je m'explique parce que quand je le dis comme ça, ce n'est pas forcément présomption, partie commune, etc. Pas forcément évident. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, vous avez un couloir qui est nickel, pas de trou, etc. Et puis, vous faites une visite et il y a un gros trou dans le mur. Ça va poser une vraie difficulté. Ça va poser une vraie difficulté parce que du fait même que la loi interdit de poser une présomption de responsabilité, ça veut dire qu'il faut que vous soyez en capacité d'identifier la personne qui a fait le trou dans le mur pour pouvoir lui imputer le coût de la réparation, tout simplement. Si vous êtes dans l'incapacité d'identifier le responsable, ils se mettent tous d'accord entre eux pour dire « non, on ne sait pas, ce n'est pas nous », etc., eh bien, normalement, la loi prévoit que tant pis, c'est pour vous, puisque vous ne pourrez pas dire, écoutez, vous êtes quatre, vous êtes co-responsable du dégât. Pas de présomption de responsabilité commune dans les parties communes. Donc, ça, c'est un vrai problème et j'estime que la loi est très mal faite là-dessus parce qu'elle ne nous permet pas justement d'instituer cette présomption de responsabilité. Donc, vous voyez, c'est quand même un petit peu compliqué et c'est dommage. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a d'autres choses qui sont complexes, notamment dans les baux de colocation et dans les baux tout court. Par exemple, vous ne pouvez pas normalement interdire à quelqu'un de fumer. Donc ça, OK, ça, je peux le concevoir pour un studio, une studette, un endroit où un couple habite avec ses enfants, etc. Mais dans une colocation, c'est déjà un peu plus compliqué à comprendre. Parce que vous pouvez très bien avoir un fumeur et un non-fumeur, avec un troisième qui s'en fiche. Mais on peut être allergique. En plus, il y a les problèmes de santé publique, le tabagisme passif. C'est quand même pour ça qu'on a banni la cigarette de tous les lieux publics. Alors, la loi interdit d'interdire la fumée, de fumer dans un appartement, parce qu'après tout, c'est l'appartement du locataire, ça devient sa résidence principale. Mais qu'est-ce qui se passe au regard du tabagisme passif ou même des intolérances, des allergies ou de ce genre de choses. Donc là, clairement, moi, dans mes baux de colocation communs, je mets une clause qui est borderline, puisque justement, je proscris la fumée. En tout cas, je mets une interdiction de fumer en raison des impératifs de santé publique. Mais autant vous le dire, c'est une solution qui est bancale. Parce que la loi, le législateur, en gros, ne dit rien, donc il faut se débrouiller. Donc là aussi, ce sont des vrais pièges. Et si vous prenez des contrats type sur Internet, alors on a deux approches. Hein. Moi, mon approche, je l'ai dit, est un petit peu borderline. Dans le pire des cas, la clause sera réputée non écrite et on ne pourra pas l'appliquer. Okay, on a aussi des gens comme ta société, Monsieur Hugo, où je pense que cette clause ne figure évidemment pas dans les contrats parce que c'est une clause qui justement est réputée non écrite. Donc, c'est un bail plus conforme, si j'ose dire. Moi, ce sont des baux plus spécifiques. J'explique pourquoi je fais ça et les conséquences pratiques. D'accord ? Mais voilà, on a dans les baux se pose tout un tas de problèmes, en fait, auxquels le législateur n'a pas vraiment réfléchi. Et je voulais attirer votre attention là-dessus, sur la nécessité parfois de faire du cas par cas. Et donc là, tu parlais d'interdiction d'interdire de fumer. Et qu'en est-il pour les animaux ? Il y a souvent des questions, les animaux de compagnie, des propriétaires qui ne veulent pas, qui veulent interdire parce que ça va déchirer le parquet, il va déchirer le canapé, la tapisserie, elle va être… Oui, alors, c'est pareil. Normalement, on ne peut pas interdire les animaux de compagnie, sauf certains animaux exotiques ou des chiens qui sont classés dangereux ou un truc comme ça.
OK. Bon, moi, dans mes baux de colocation, je dis bien, là, pour le coup, je fais la même chose, c'est-à-dire qu'a priori, j'interdis les animaux, encore une fois, pour des questions de vie en communauté et d'allergie. Quid si quelqu'un est intolérant aux poils de chat et que quelqu'un arrive avec un chat angora? Ça va être un peu compliqué, la vie hein, et la cohabitation dans ces cas-là. Mais la loi dit non, vous ne pouvez pas le faire. OK, je ne peux pas le faire, mais concrètement, je règle comment le problème? Parce que si personne n'a de chat au départ et qu'en cours de bail, quelqu'un arrive son chat, ça veut dire quoi? Tous les autres doivent déménager parce que, par exemple, ils sont allergiques. C'est super compliqué à régler. Donc, quand c'est comme ça, je pense qu'il faut un minimum de bon sens aussi et de bonne foi. Voilà, c'est clair. Mais le fait de l'indiquer clairement, je pense, c'est aussi une marque d'honnêteté vis-à-vis de ses locataires. Voilà, vous voulez un chat, louez un studio meublé où vous serez tranquille de faire ce que vous voulez, non pas une colocation. Et là, on est plus dans de la logique, on flirte avec le juridique également, et puis ces histoires de clauses réputées non écrites. Alors du coup, on a une question dans le chat de Johannes qui nous dit « Marie, Pierre, Thomas et Clara sont en colocation meublée avec des baux individuels. Marie quitte la colocation, je réalise son état des lieux, je constate que la table à manger est dégradée. Comment je peux réaliser pour imputer la réparation ?» Bien, je ne sais pas ce que prévoit le contrat de bail individuel. Tout à l'heure, je vous parlais de l'absence de présomption de responsabilité sur les baux collectifs. Donc là, je ne sais pas. Faute de pouvoir lire le bail, je ne sais pas comment ça va se régler, très sincèrement. La chose est la même, c'est-à-dire qu'à l'occasion de la constatation et de la rédaction de l'état de sortie, il faut noter la dégradation et demander à qui elle est imputable. Si personne veut répondre, moi, je tenterai le coup concrètement de dire « Bon, personne répond, vous êtes quatre. Marie, je suis désolé, ça va être un quart pour toi. » Libre à elle ensuite d'aller contester devant le juge d'instance pour dire « Moi, je veux récupérer mes 137,50 € au titre de mon quart de table dégradé, etc. » Bon, y en a qui lâchent rien. Hein. Pour quelques dizaines d'euros, ils sont prêts à aller contester, hein, faut être clair. Mais après, c'est aussi une question de bonne intelligence. Bah, de toute façon, après, je pense que les locataires, ils vont pas se dire, tiens, c'est moi qui ai fait ce sinistre ou ce dégât, ils vont pas se dénoncer. Donc, généralement, c'est un peu comme en classe, tout le monde est puni et on divise par quatre. Et puis, lors de l'état des lieux de sortie, effectivement, il faut le stipuler et après, il s'arrange. C'est logique. Ouais. Après, il s'arrange entre eux. Bah, oui. Alors, je voulais aussi parler de la clause résolutoire. Ouais. Les gens, ils en ont entendu parler. On leur a dit que il fallait que je la mette. Après, on ne sait pas trop. Les gens ne savent pas forcément trop à quoi ça sert, les clauses résolutoires. En tout cas, après, je vais revenir. Je vais toucher deux mots. Ce qui est important, c'est que si on ne met pas cette clause résolutoire, c'est très difficile de mettre dehors le locataire. C'est le fait de la mettre, c'est un accélérateur pour remettre dehors le locataire s'il ne respecte pas ses obligations. Et surtout, par rapport à l'EGLI, donc si vous prenez une garantie de loyer impayé, c'est à vous de vérifier, en tout cas l'assureur vous demande de vérifier tout un tas de choses, et parmi ces choses, il vous demande de vous assurer que vous avez bien mis la clause résolutoire. Si vous le faites à la va-vite et que vous ne savez pas trop parce que vous avez récupéré un bail d'un ancien propriétaire ou que ce n'est pas vous qui avez fait le bail ou que c'était un bail que vous avez pris sur Internet qui fait 10 pages, vérifiez s'il y a bien cette clause résolutoire. S'il n'y a pas de clause résolutoire, mais que vous avez souscrit à une GLI parce que vous êtes inquiet, vous avez envie d'être remboursé en cas d'impayé, l'assureur, la première chose qu'il vous demandera, c'est le bail. Si sur le bail, il n'y a pas cette clause résolutoire, il vous dira « Désolé, mon cher ami, je ne vais pas vous rembourser parce que votre bail n'est pas conforme. » Donc, finalement, vous avez payé des primes d'assurance pendant des années en vous disant « Je suis sécure et tout va bien se passer. » Et le jour où vous avez un impayé, l'assureur va regarder le dossier du locataire en détail et vous dira « Je ne peux pas vous rembourser les loyers. » Et là, vous ne comprendrez pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas cette clause résolutoire. Donc ça, c'est un point quand même important. Donc la clause résolutoire, ça vous permet effectivement de résilier le bail en cas de non-respect des obligations du locataire. Donc la première obligation, c'est de payer son loyer. La deuxième obligation, c'est de vous verser un dépôt de garantie.
Ensuite, s'il ne souscrit pas une assurance habitation, parce que c'est quand même obligatoire. Après, il faut penser à le vérifier chaque année, parce que des fois, les locataires, ils oublient de la renouveler. Donc ça, en tant que bon gestionnaire, vous devez lui demander chaque année. Et puis, surtout, si le locataire ne fait pas un usage paisible en fait, du bien, en gros, il fait trop de bruit, vous payez des lettres de mise en demeure du syndic, par exemple. Donc, tous ces cas vous permettent de résilier le bail parce qu'il y a la clause résolutoire. Et si on ne l'a pas, Dimitri, tu confirmeras, mais ça devient un peu le parcours du combattant pour mettre le locataire dehors. Oui, tout à fait, parce qu'en réalité, si vous n'avez pas cette clause résolutoire, il va falloir se fonder sur le droit commun pour résilier le contrat, à savoir prouver un manquement à des obligations essentielles du contrat, etc., etc., etc. Tandis que là, dans les trois conditions essentielles, il y a le paiement du loyer, il y a la fourniture d'une attestation d'assurance et il y a la constatation par voie judiciaire de troubles de voisinage avérés. Donc, motif légitime et sérieux, quelque chose comme ça. Donc là, une simple ordonnance de référé pourra constater le non-respect et l'acquisition de la clause résolutoire. S'il n'y a pas cette clause, c'est le droit commun. Et le droit commun, ce n'est plus le juge des référés qui a une procédure accélérée. C'est une procédure qui peut durer des mois et des mois, voire des années. Donc, on retombe dans le droit commun. D'où l'importance, effectivement, Bruno, tu fais bien de le souligner, de la clause résolutoire correctement rédigée dans le bail, c'est clair. Donc déjà que c'est long d'expulser ou de résilier un bail avec la clause résolutoire, donc sans clause, vous prenez un peu perpète. Donc bon, après, on dit on n'est plus un an prêt, mais bon, voilà, pendant ce temps-là, les revenus ne tombent pas. Quoi. Voilà, quand même, si, on est un an prêt. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est assez vérifiable. Il suffit de reprendre votre contrat de bail. Après, si vous n'avez pas de contrat de clause résolutoire, bah, pour le prochain locataire, bah, il faudra penser à mettre à jour votre bail et à s'assurer qu'il y a la clause résolutoire. Parce qu'une fois que le bail est fait, on peut pas le modifier en cours de route, quoi. Sauf si le locataire accepte. Mais bon, c'est un peu difficile. On va faire un avenant, ça va être compliqué quand même. Donc ça risque d'être difficile. Donc moi j'étais passé par le site, hein, Monsieur Hugo, pour faire un bail de location meublée pour une de mes studettes. Donc, évidemment, passer par un site comme le tien, bah, c'est aussi la garantie quand même d'avoir un bail qui contient toutes ces clauses essentielles, bien évidemment. Alors, puisque tu effectivement t'en parles, nous, on met à disposition des bailleurs une application juridique de rédaction de contrat de bail d'ailleurs, on a développé des algorithmes qui permettent d'adapter toutes les clauses du bail par rapport à votre profil et au type de la location. Donc, en gros, toutes les nouvelles lois, elles sont digérées par nos algorithmes. Donc, ça vous permet d'avoir un bail conforme. Après, il y a… donc, ça, c'est la manière la plus simple pour être sûr d'avoir un bail conforme. Après, vous pouvez partir sur du sur-mesure. Dimitri, ça, c'est ce que tu proposes, des baux sur-mesure pour être bien adapté, effectivement, à votre profil d'investisseur, voire rajouter sur la colocation des clauses un peu particulières. Mais en tout cas, effectivement, le fait d'avoir des outils professionnels soit pour être autonome et rédiger un bail par vous-même, ou soit passer en sur-mesure, l'artisan du bail. voilà, passer par cette solution permet aussi d'avoir un bail encore plus personnalisé. Alors, tu fais bien de le dire. Quand tu dis l'artisan du bail, moi, je suis tout à fait honnête, tant avec toi qu'avec l'ensemble de mes clients et des personnes qui nous écoutent, ma valeur ajoutée sur un bail classique, on va dire familial pour de la location nue ou de la location meublée, est faible. Très clairement, il vaut bien mieux passer par ton application pour ça. C'est une évidence. C'est vrai que si on veut faire du bail de colocation commun avec des clauses spécifiques, essayant de prévoir des choses qui en général ne sont pas prévues. Par exemple, dans mon bail de colocation, je l'ai relu aujourd'hui par hasard, j'ai vu que j'ai ajouté un article sur la nécessité de ventiler correctement les locaux et de ne pas boucher les aérations, ce qui n'est pas très souvent prévu dans les baux, tellement ça semble logique. Mais ça, c'est tiré de mon expérience. J'ai eu des cas où les gens, ils bougent tout, puis après, ils disent « Ah, c'est moisi chez vous, c'est tout pourri, comment ça se fait ?» C'est scandaleux. Bah oui, si on n'aère pas et qu'on bouge tout, forcément, ça marche beaucoup moins bien. Donc là, moi, ma vraie valeur ajoutée, quand tu parlais d'artisan du bail, ça va être sur des baux de colocation, ça va être sur des baux de sous-location, qui est une activité encore spécifique, et puis ça va être de façon
plus générale sur des contrats vraiment tout à fait particuliers. J'ai par exemple rédigé un bail pour la location courte durée. Et si tu me permets justement, Bruno, je vais en profiter pour répondre à deux, trois autres questions qui ont été posées dans le chat. Donc, on a Johannes qui nous dit, est-ce que le bail notarié donne vraiment une facilité pour saisir le salaire via constat d'huissier en cas d'impayé? Si oui, en combien de temps? Est-ce que tu veux répondre ou je réponds côté avocat? Réponds côté avocat, parce que je trouve que c'est une valeur beaucoup plus forte juridique. Donc, tu seras mieux okay. expliqué. Effectivement. Alors, Johannes, oui, ma réponse est oui, le bail notarié est très intéressant pour la raison suivante. Il a la même force qu'un jugement de condamnation. C'est-à-dire que le bail notarié est revêtu de ce qu'on appelle la formule exécutoire. Par conséquent, si vous avez un bail notarié, que votre locataire cesse de régler vos loyers, vous allez voir l'huissier, vous lui faites un petit décompte des loyers impayés, vous lui donnez la copie exécutoire de votre bail et l'huissier peut aller saisir directement le salaire, le compte bancaire, la voiture, dans les cas extrêmes, les meubles, etc. Pas besoin de faire une procédure judiciaire pour obtenir un jugement de condamnation. Donc, c'est très efficace. Par contre, ça ne dispense pas d'engager une procédure d'expulsion si en plus des impayés, vous voulez résilier le bail et mettre le locataire dehors. Alors, il y a la loi qui vient d'être votée, je crois, il y a deux jours, définitivement à l'Assemblée nationale, sur l'accélération des procédures d'expulsion. Je n'ai pas encore eu le temps de la lire, mais ceci étant, je ferai certainement un épisode spécial où j'en parlerai dans le droit d'investir ou sur mon groupe Facebook. Mais toujours est-il que j'ai lu rapidement quelques commentaires disant que pour expulser quelqu'un, on n'aurait plus besoin de passer par le juge. Je ne crois pas que ça soit possible ni envisagé dans cette loi. Je le dis tout net, c'est pas parce qu'on pourra peut-être aller plus vite pour mettre les mauvais locataires dehors qu'on pourra se passer d'une procédure d'expulsion en bonne et due forme. Ça aurait été un véritable bouleversement, voire une révolution. D'accord ? Donc faites attention à ce que vous lisez sur Internet. Je crois qu'on a raconté pas mal de bêtises là-dessus. Antispam nous dit, c'est marrant ça comme pseudo Antispam, est le bail pour un Airbnb obligatoire ou non? Alors, j'ai une réponse un petit peu de Normand. Oui et non. Pourquoi oui? Parce que tout simplement, le code du tourisme prévoit expressément que normalement, toute offre de location de courte durée doit faire l'objet d'un écrit, donc c'est-à-dire d'un bail. D'accord, qui comporte un certain nombre de précisions. Je vais même pouvoir vous retrouver, à mon avis, assez facilement l'article Code du tourisme. Je vais vous faire une petite recherche vite fait. Bail courte durée, hop, j'ai dû regarder 36 fois, je pense. Donc, puisque c'est quelque chose qui revient régulièrement. Hop, voilà. Donc, article L324-1-1. Du code du tourisme, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir fait préalablement la déclaration auprès du maire de la commune, etc. Et ça, c'est pour les modalités. Et ensuite, on a un autre article qui nous dit, voilà, L324-2 cette fois-ci, toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux. Donc, doit revêtir la forme écrite. Pour moi, autrement dit, en bon français, ça veut dire qu'un contrat de bail va être nécessaire. D'accord ? Pourquoi je disais non ? Parce que lorsque vous passez par des plateformes, on semble considérer à la lecture des conditions générales d'utilisation des plateformes. J'ai lu les CGV de Airbnb, elles font, je crois, plus de 30 pages. Je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui les lisent attentivement. Et malheureusement, j'ai tendance à penser que ça ne correspond pas vraiment à la définition du code du tourisme. Donc, si vous passez par une plateforme, si vous vous passez de bail, il ne va pas se passer grand-chose normalement. Si c'est une réservation en direct, le contrat de bail, pour moi, est impératif. Ne serait-ce que pour régler les questions de responsabilité, de modalité d'arrivée et de départ, de durée du séjour, etc. Imaginez, vous louez en courte durée,
vous ne faites pas de contrat de bail et votre locataire reste dans les lieux en disant, mais monsieur, il m'a loué avec un bail verbal, mais c'est mon habitation. Vous allez faire comment pour le mettre dehors? Vous ne pourrez pas prouver que ce n'était pas un contrat de bail loi de 89, mais que c'était un contrat de bail de courte durée non soumis à la loi de 89. Catastrophe en ce qui vous concerne. Donc, faites bien attention à ça. Pour répondre concrètement à la question, moi, je recommande le contrat de location courte durée dans tous les cas. Ok, je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font la location saisonnière en complément de la location à usage d'habitation pendant l'année, quoi, pour se faire des... Pendant les périodes estivales. Tout à fait, tout à fait. Alors, encore, tu voulais encore ajouter une dernière là pour la route, parce que ça revient régulièrement. Bien sûr. Des propriétaires qui systématiquement veulent cumuler ceinture et bretelles pour se protéger des risques locatifs en disant bah voilà, j'ai pris un garant. Le locataire, il m'a passé ses parents comme garant. Et en plus, je veux aussi prendre une GLI pour m'assurer que tout va aller bien et qu'on va me rembourser. En GLI, côté assureur ou Visa, hein, le dispositif de l'État. Toujours la même question qui revient. Effectivement, on ne peut pas cumuler un garant physique avec une garantie de protection des impayés. Donc, celle que vous trouvez sur le marché via des assureurs ou celle de l'État Visale, tout simplement, bah, sauf si, alors il y a une exception, si le locataire était étudiant ou apprenti, à ce moment-là, il faut cumuler le garant et la GLI. Mais si c'est une personne, le locataire est en CDI, par exemple, il a un garant et en plus, il prend une GLI, vous vous dites, bah, finalement, j'ai mis le maximum de sécurité dans ma location. Oui, soit, mais dans les faits, si demain vous avez un impayé, l'assureur vous dira la même chose que précédemment. Si vous avez oublié la clause résolutoire, il vous dira bah, désolé, mon cher ami, on va pas te rembourser tes impayés parce que ça marche pas comme ça. Donc, c'est un peu la problématique au niveau aujourd'hui quand on veut mettre en place une GLI, c'est que l'assureur délègue la responsabilité au bailleur de vérifier, de tout checker, que le dossier est conforme, que le bail est conforme. Voilà, donc vous avez tout un tas de choses à vérifier par vous-même. L'assureur, généralement, ne vérifie pas ce genre de choses en amont, puisque ça lui prendrait tout le temps. Mais par contre, le jour où vous allez en payer, c'est la première chose qu'il va vérifier. Donc, si vous le faites et que vous ne le savez pas ou vous le faites par erreur en vous disant, bah, moi, j'ai un garant, je prends une GLI, bon, bah, la GLI ne pourra pas vous rembourser les loyers. Voilà, donc ça c'est quelque chose, c'est des questions qui reviennent régulièrement. Oui. Cumule de garantie pour être au top au niveau sécurité juridique. Bon, ça c'est une fausse bonne idée. Fausse bonne idée pour la petite histoire, parce que moi j'aime bien, je suis quand même dans le métier depuis maintenant longtemps. Donc j'ai vu arriver, hein, moi j'ai connu l'époque où on pouvait cumuler ce type de garantie. Puis un jour on a eu une ministre ou un ministre, je ne sais plus exactement, je crois que c'était une ministre, pétri de bonnes intentions, qui a dit la chose suivante. Oui, mais comprenez, pour les étudiants, c'est super compliqué parce que souvent, ils ne peuvent pas trouver de garant. Donc, on va obliger le propriétaire à choisir entre le garant et la GLI. Comme ça, ça sera plus facile pour les étudiants ou les personnes qui n'ont pas la chance d'avoir un garant, une caution. Concrètement, le vrai nom, en fait, c'est juridiquement, c'est la caution qui se porte caution du règlement des loyers. Et donc, ils ont dit, on va interdire le cumul. Comme ça, ça va simplifier la vie des locataires et surtout de ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir une caution. Et en fait, la conséquence a été la suivante, parce que ça a été un durcissement des conditions des GLI. Pourquoi ? Parce que les GLI, avant, ce qu'elles faisaient, c'est qu'elles se contre-garantissaient quelque part grâce à l'existence de la caution. Et oui, la GLI était amenée à payer, mais elle se retournait non seulement contre le locataire, mais également contre la caution du locataire. Là, elles n'ont plus en face que le locataire, et donc elles ont augmenté leurs exigences vis-à-vis du locataire. Donc, la conséquence attendue, c'était faciliter l'aide pour les locataires, c'est-à-dire les aider à se loger plus facilement. Et en réalité, l'effet de bord a été plutôt inverse, puisque du coup, ça, c'est devenu plus compliqué de remplir les conditions pour bénéficier de la garantie de loyer impayé. Voyez, encore un truc qui a été imaginé par des gens pétris de bonnes intentions,
mais qui était un peu déconnecté de la réalité. Je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous parce que bon, je suis avocat depuis 1995, donc j'ai eu la chance ou pas, je ne sais pas comment on doit le dire, la chance ou pas de voir toutes ces évolutions qui arrivent au fur et à mesure, voilà, qui sont un peu à la va comme je te pousse et qui finalement assez souvent manquent largement le but recherché. Voilà. Je crois qu'on va pas tarder à arriver au bout de ce live, cher ami. Si vous voulez rester à jour là-dessus, tiens, dernière chose sur les baux, je vais reprendre encore une minute. Autre erreur commune aussi, oublier de fournir les annexes obligatoires. Ça, c'est un peu une cata aussi, d'accord ? Je vous le dis parce que dans les annexes obligatoires, vous allez penser tout naturellement à tous les diagnostics techniques possibles et imaginables, dont le fameux DPE. Donc, fournissez bien les annexes obligatoires. Sinon, là encore, il y a des sanctions possibles. Mais il n'y a pas que les diagnostics. Par exemple, si vous louez en location classique, même si vous louez aussi en colocation, donc j'appelle la location classique la location d'habitation, régie par la loi de 1989, eh bien, vous allez devoir, c'est la loi qui le prévoit, par exemple, réaliser un état d'entrée dans les lieux. Bon, ça, c'est quand même dans votre intérêt. Mais vous devrez aussi fournir la fameuse notice sur les réparations locatives. C'est une notice qui émane d'un décret qui va dire qui paye quoi dans les réparations. Vous allez devoir fournir aussi la notice d'information obligatoire sur les rapports locatifs entre le propriétaire et le bailleur. Vous avez en fait tout un tas de documents et je revoyais la liste de ce que je fournis dans le cadre d'un contrat de colocation. Je crois que j'ai 10 ou 12 annexes que je fournis en plus de contrat location. Et donc, j'attire votre attention parce que, par exemple, ces choses-là changent, évoluent au fil du temps. Donc, le contrat de location que vous aviez il y a 2 ans, si ça se trouve, il est plus valable maintenant parce que la loi a évolué et la loi impose que désormais, dans le contrat de location, on ait de nouvelles mentions. Je l'ai vu récemment puisque est paru au journal officiel, je crois, il y a 3 semaines ou 1 mois, un dimanche, la nouvelle notice avec les modifications relatives au DPE. Donc, ils ont publié ça au JO un dimanche. Bien sûr, tout le monde est super au courant, forcément. Et donc, si vous ne faites pas attention et si vous n'êtes pas informé, vous allez garder d'anciens baux, mais avec des notices qui sont plus conformes à la loi. Donc, ça, c'est aussi un élément essentiel. Restez toujours, tenez-vous informé des modifications législatives. Et pour ça, là, c'est très simple. Hein. Moi, j'ai l'outil qui va bien pour ça. Je vous le remets. C'est évidemment mon podcast pour investisseurs, Le droit d'investir. Donc, je vous le remets dans le fil de discussion. Voilà, ça, c'est sur la chaîne YouTube. Je vais le mettre aussi sur Facebook. Donc, Le droit d'investir, c'est quoi ? C'est mon podcast hebdomadaire pour investisseurs immobiliers. C'est un focus pour investisseurs avec les 2-3 points d'actualité. Donc, par exemple, quand une nouvelle notice paraît, moi, je suis informé le jour même ou le lendemain parce que je paye des outils très coûteux d'ailleurs spécialement pour ça. D'accord ? Donc, je suis informé. Moi, qu'est-ce que je fais ? Je vous retransmets l'information dans le podcast de la semaine. Alors, en plus, ça y est, enfin, le groupe Facebook privé Le droit d'investir est en ligne. Pour les abonnés qui n'ont pas encore lu le mail, vous pouvez rejoindre le groupe privé Le droit d'investir, il est réservé aux abonnés, mais c'est couplé à une plateforme de contenu additionnel avec des vidéos, des modèles de documents, avec également 2 heures de coaching commun mensuel en live avec moi en Zoom. Donc, vous me posez vos questions en direct. 10% de remise sur toutes mes prestations d'avocat. Également, une analyse de ville chaque mois réalisée par l'équipe d'Élise Ripoche pour savoir si vous devez aller dans telle ou telle ville faire de la location courte durée, quel est l'état de la concurrence, quels sont les types de locations qui fonctionnent, typologie des logements, etc. Donc, une analyse chaque mois. Et tout ça, c'est dans Le droit d'investir. C'est un abonnement mensuel. Donc, allez voir www.ledroitdinvestir.com. Je peux vous dire qu'il y a des épisodes qui sont tout à fait exceptionnels. La rubrique partenariat arrive et évidemment, avec Bruno, on s'est mis d'accord pour vous faire une petite offre sympa également sur les prestations de la société Monsieur Hugo. Hein, je dis une bêtise ou pas ? Non, c'est, t'es, t'es,
T'es tout bon. C'est bien ça, j'ai tout bon. Donc, vous aurez aussi dans la rubrique partenariat des offres que j'ai eu la chance de négocier. Alors, négocier, c'était un bien grand mot parce que Bruno est quelqu'un de très sympathique. Donc, plus qu'une négociation, ça a été, tiens, voilà, je te propose ça parce que ça va être cool et tout. Donc, il y en a d'autres avec qui je négocie. Mais voilà, j'ai la chance de travailler avec plein de gens qui sont des experts dans leur domaine. Donc là, la société Monsieur Hugo, et d'ailleurs, mes clients savent très bien que je poste systématiquement un lien vers l'outil gratuit de Monsieur Hugo pour faire des calculs de rentabilité locative. Donc ça, c'est aussi top. Hein. C'est un tableur Excel, mais qui a été validé par un expert comptable. Là encore, je crois que je ne dis pas de bêtises en disant ça. Donc ça, c'est un super outil. Tous mes clients, ils reçoivent le lien pour le télécharger, évidemment. Donc voilà, tout ça pour vous dire que vous devez absolument rester au courant. On pourra faire des lives avec Bruno autant qu'on veut. Ça ne suffira jamais à coller totalement à l'actualité qui est foisonnante. On a parlé, par exemple, je vous ai dit ce soir à propos de l'encadrement des loyers que les nouveaux décrets paraissaient avec les nouveaux plafonds de loyer. Je vous ai parlé de la nouvelle notice d'information. Il y a de nouvelles villes qui candidatent à l'encadrement des loyers. Les annonces aussi changent sans arrêt. Alors là, on n'est pas sur les baux, mais sur les annonces de location, on a toujours plus de mentions obligatoires. Ça devient vraiment… Je me demande comment vont faire les agences bientôt. Ça va devenir compliqué. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que vous avez les groupes comme celui de Bruno. Donc, je l'ai posté aussi tout à l'heure dans le groupe de discussion. Vous pourrez obtenir tout simplement de l'information, des réponses à des questions. Vous avez Jurissimo Invest. Donc, le groupe de Bruno, hein, je vais le remettre, c'est gestion locative. Comment je fais pour le remettre? Je suis toujours super doué. Conseil et astuces pour gérer seul son bien en location. Voilà. Donc, voyez, vous tapez dans Facebook, gestion locative 2. Conseil et astuces pour gérer seul son bien en location. Vous allez arriver sur le groupe de grande qualité de Bruno. Vous avez Jurissimo Invest. Donc, comme on a fait un truc couplé ce soir, donc il y en a qui nous regardent directement depuis le groupe de Bruno, il y en a qui nous regardent depuis Jurissimo Invest, également depuis la chaîne YouTube. Voilà, abonnez-vous à tout ça, c'est gratuit en plus, et vous aurez déjà énormément d'informations. Il y a Facebook User, c'est qui pour le coup, qui nous dit… Dimitri, bonsoir les gars, Dimitri, peux-tu mettre les liens, s'il te plaît? Ok, alors… Il y a plein de liens. Je vais en remettre un dans le fil de discussion. Je remets quoi comme lien? J'en ai remis un dans le fil de discussion Facebook. Il y en a un normalement dans la chaîne YouTube. Par contre, je suis désolé, je ne sais pas comment faire pour le mettre en direct dans le groupe gestion locative de Bruno. Je pense qu'on pourra… Tu les enverras, je les rajouterai là sur mon groupe. Voilà, j'avais posté aussi le lien vers Monsieur Hugo, d'accord, pour aller voir ton offre, tout simplement. Moi, je pense de plus en… Il y a certains logements que je gère moi-même, mais effectivement, maintenant, pour les baux, je ne m'embête plus. Voilà, j'ai pris Monsieur Hugo, c'était super simple et rapide. Donc ça, c'était vraiment… c'était très bien. Comme je le dis, hein, ce n'est pas parce qu'on prend un bail à l'instant T que le bail sera encore valable dans un an. La loi peut évoluer entre-temps, malheureusement. On doit faire avec. Moi, parfois, j'aimerais bien que ça aille un peu moins vite. Mais vous avez quand même énormément d'outils et ça rejoint un petit peu un live que j'ai fait la semaine dernière. Peut-on vivre de ses revenus immobiliers en 2023? Ma réponse est toujours oui, mais à condition aussi quand même de ne pas faire de bêtises sur les baux que vous allez conclure avec vos locataires. N'oubliez pas que s'ils sont contents et qu'ils ont un bail en bonne et due forme, a priori, ils ont plus de chances de payer, de ne pas râler, et que vous avez plus de chances d'encaisser vos loyers à bonne date. Voilà, je te laisse le mot de la fin, Bruno. Effectivement, pour conclure, le bail, c'est le document qui généralement fait fuir un peu les propriétaires parce qu'on se dit, bah, moi, j'ai un vieux bail d'il y a 10 ans, je le reprends toujours d'une année sur l'autre. Voilà, donc avec tout ce qu'on a dit ce soir, et vous avez compris que la réglementation, elle change constamment, bah, c'était important de se remettre à jour régulièrement.
Et parce qu'un bail non conforme, on l'a vu, ça peut vite vous pénaliser. Donc l'idée, ce n'est pas de vous pénaliser financièrement, mais c'est de pouvoir louer en toute sécurité. Et donc pour ça, bah, voilà, vous utilisez les outils et les groupes qui sont à votre disposition pour être sûr de louer dans la légalité et d'éviter d'avoir des locataires qui vous embêtent en vous faisant condamner, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur notre site monsieurhugo.com, vous verrez un peu ce qu'on propose. On a vraiment des baux qui sont dédiés à l'usage d'habitation. Et puis, à rester régulièrement informé avec le podcast là, de Dimitri sur la réglementation pour ceux qui veulent aller plus loin. Voilà, donc ça, c'était ce qu'on voulait faire passer comme message aujourd'hui sur les baux de location. Un, se maintenir à jour, et puis deux, pouvoir louer en conformité avec la réglementation. Et puis surtout fidéliser vos locataires, puisque c'est quand même eux qui remboursent vos crédits. Donc il faut les fidéliser et faire en sorte que le bail soit fait en bonne et due forme, tout comme les conditions d'accès au logement. Tout à fait. Et pour finir, n'oubliez pas aussi une chose, c'est que ce soit des frais de gestion locative par un logiciel, que ce soit l'abonnement à mon Avocast, puisque maintenant je vais dire l'Avocast, j'ai eu quelqu'un qui m'a soumis cette idée, donc je trouve ça joli, Avocast comme terme, à mon Avocast le droit d'investir, ce sont des dépenses déductibles, donc vous pourrez déduire ça de vos revenus locatifs meublés en ce qui concerne mon podcast, de vos revenus locatifs fonciers ou meublés en ce qui concerne par exemple, la souscription à un logiciel de gestion, puisque c'est destiné à vous procurer vos revenus locatifs, ou si vous êtes en société, c'est une charge déductible pour votre société. Donc certes, c'est des dépenses, hein, mais dans l'immobilier, de toute façon, on ne peut pas gagner d'argent comme partout ailleurs sans en dépenser. Voilà, un minimum, dépenses raisonnables et raisonnées, bien sûr. Je ne vous conseille pas de jeter votre argent par les fenêtres. Voilà, c'était. Merci beaucoup. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit. Vous voyez, j'ai cédé au politiquement correct. Et donc, voilà, bon appétit. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau live. Et merci Bruno d'avoir attiré l'attention des personnes qui nous ont fait le plaisir de nous écouter sur toutes ces erreurs. On ne répétera jamais assez, même quand on commence à s'y connaître un petit peu. Il faut faire attention à ces points parce que parfois on est un peu lancé dans le truc, puis on se dit, bah, ça, ouais, je vais récupérer quelque chose, on verra plus tard. Et c'est là justement qu'on va faire ces erreurs qui sont pourtant des erreurs essentielles dans la rédaction des baux. Voilà, allez, à très vite pour un nouveau live. Merci à tous. Bonne soirée.